Ok, quelle solution existe-t-il pour moderniser la façade d'une maison traditionnelle ou une maison construite dans les années, mettons, 80-90, dans un lotissement qui paraît un petit peu ordinaire? On va en parler dans cette vidéo, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner puisque vous allez trouver deux vidéos par semaine sur cette chaîne. Le mardi, une vidéo inspiration avec des exemples concrets où on va pouvoir comparer notamment des options alternatives. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux qui sera également publiée sur le podcast Travaux de Mira. Voilà, alors les trois façons de moderniser la façade d'une maison sont aussi des solutions bien souvent pour améliorer son potentiel bioclimatique. Et on va bien souvent envisager par exemple une extension de maison où on va pouvoir moderniser la façade de la maison avec un ajout qui va à la fois vous proposer une pièce de plus, souvent une pièce bien plus lumineuse, confortable, qui va apporter une touche de modernité aussi bien à la façade que à l'intérieur de la maison. On va voir plus concrètement des exemples qu'on va analyser dans la suite de la vidéo. Deuxième option, c'est lorsque vous envisagez par exemple une isolation thermique de la façade par l'extérieur, eh bien ça peut être l'occasion d'apporter un petit peu plus de diversité pour les matériaux de finition en façade. Une façade ordinaire avec un enduit, eh bien elle peut très bien se transformer en une façade qui propose un mélange de deux matériaux. Ça peut être un enduit et un bardage rapporté par exemple, qui peut être en bois ou autre chose, et ça va rendre votre façade de maison tout de suite bien plus intéressante. On va voir des exemples également dans la suite de la vidéo. Et troisième option qui va permettre, avec quelques travaux lourds sur la structure pour le coup, d'améliorer le potentiel bioclimatique d'une façade et aussi de moderniser cette façade, c'est notamment lorsque on va agrandir une fenêtre pour créer une grande baie vitrée qui à la fois apporte une touche moderne et contemporaine à la façade de la maison et à la fois va laisser entrer plus de lumière, notamment dans ces intérieurs de maisons anciennes qui sont parfois un peu sombres, notamment en raie de jardin. Bien sûr, on peut aussi jouer avec les pergolas bioclimatiques en aluminium avec des lames orientables, c'est bien sympa. On peut aussi envisager des brise-soleil. Tout ça, ce sont des solutions alternatives et complémentaires pour moderniser la façade d'une maison. Et je vous invite maintenant de passer derrière l'écran de mon ordinateur pour voir des exemples concrets. À la fin de la vidéo, n'oubliez pas de me retrouver en commentaire pour me dire laquelle des options qu'on a vues a le plus inspiré votre imagination et quelle option envisagez-vous pour moderniser la façade de votre maison? N'oubliez pas aussi, toute modification de façade va nécessiter une demande d'autorisation d'urbanisme et aussi les matériaux et couleurs que vous choisissez doivent être conformes au plan local d'urbanisme qui a bien souvent une charte des couleurs et des matières à respecter. Et dans certains cas, vous pouvez avoir des contraintes supplémentaires imposées par exemple par un règlement de lotissement si votre maison est fait partie d'un lotissement. Ok, et donc là on a un exemple de maison très très simple mais dont la façade a du cachet, notamment grâce à la pergola en aluminium ici qui vient couvrir la terrasse. Et puis, grâce à ce mur derrière, en fait, comme vous pouvez le voir, la façade de la maison elle-même, elle reste relativement simple. Ce qui donne du cachet, c'est simplement ici la brique peinte qui peut être celle donc d'un mur de clôture ou d'un mur d'un bâtiment existant à côté. Ou comme c'est ici, en fait, c'est simplement le garage qui est accolé à la maison. Et donc là, on a un exemple de mur qui est en brique peinte. Et ce que je vous propose de faire, c'est simplement de modifier la texture de ce mur. Et vous allez voir comment cela permet de changer l'ambiance.
Et puis, ça va donner un aspect très, 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 très différent à l'aménagement. Donc là, on a un bardage en bois. Imaginons que c'était un garage qui est construit en bois et qui a un bardage en bois. On a tout de suite une ambiance très, très, différente pour notre terrasse et pour la façade de la maison. Ça donne un cachet différent. On essaie encore autre chose pour voir. On pourrait par exemple imaginer un bardage un petit peu vieilli qui a été un petit peu grisé. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, une fois de plus, on va avoir un rendu très 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 différent, une ambiance très différente. Alors, je vous propose de voir une dernière solution avant de passer à la question des brises soleil plutôt. Ah non, là je me suis trompée. Je pense que ça, c'est pas exactement ce qu'on cherchait. Voilà, c'était plutôt ça. Hop, là vous pouvez voir un exemple où on a de la pierre plaquée dessus et donc on a un rendu encore très différent. Donc on a vu ici le bardage bois. On a vu la brique ancienne peinte en blanc et le bardage grisé vieilli, plus le plaquage en pierre. Et vous avez pu voir comment cette simple terrasse d'une maison qui n'est pas vraiment extraordinaire, et ben cette simple terrasse couverte avec une pergola bioclimatique, elle a un cachet très très différent selon le matériau choisi pour le mur qui habille simplement le garage à coller. Allez, on va passer à un autre exemple. Ici, c'est une maison de lotissement qui a été transformée avec une assez grande extension de maison, une partie de l'extension en rez-de-jardin, enfin, juste un bloc ici là, qui permet simplement de moderniser la façade, et ici une extension sur deux niveaux. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a quand même une assez importante différence, et celle-ci, elle est créée à la fois par l'extension de maison, cette partie-là notamment qui est sur deux niveaux, qui permet d'apporter beaucoup de lumière à l'intérieur, beaucoup de lumière et beaucoup de modernité également à l'aménagement. Et la partie à droite, qui elle est plutôt une solution pour moderniser l'aspect de la maison. Donc c'est une autre façon de voir comment on peut moderniser la maison. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de récupérer votre copie de la checklist de la rénovation. Le lien est dans la description de la vidéo. La checklist est gratuite et elle a permis déjà à plusieurs milliers de personnes d'avoir une vision claire, simple, réaliste de leur projet de rénovation sur une seule page. À très vite en ligne. Salut!